짐 바빠 계속해 힘 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가 You make me nervous I think I might be hooked on you I love the things you said to me Seems like you like me too We can take it slow Make sure we do this right Canceled all my plans to be with you tonight Tonight So just sit with me Talking to the night until the morning building can't Mystery, I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. She said, I won't be back in a while. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. Ready to just let you go away Like my friends think I should Cause what if I just wanna be with you I don't know what the hell I'm gonna do But honestly I can't remember if you love me Or maybe I'm just feeling lonely, I don't know Just let it go She got herself a guy and he's good No he's great Everything she wanted packed behind a pretty face But I kinda hope he breaks her heart Into little pieces and let me pick them all back up And put them back together But I can't believe I let you slip I think about it 7 days a week And this just can't be how it's supposed to end up Cause what if you should really be with me? You didn't see But honestly I can't remember If I loved you But it feels like I did when I think about you Now Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une petite journée dans mon assiette, je vais vous montrer un peu tout ce que je prépare au cours de ma journée et du coup voilà, là ce matin je me suis fait un petit muffin bacon, cheddar et œuf.
accompagné de petites brochettes de fruits. Voilà, donc là, on va les déguster et du coup, je vous laisse. T'as envie, hein, morceau. Ah, il y a tout qui se barre. Alors. Non, rien. Non, mais moi, comme je mange des burgers à chaque fois. Pour la recette du midi, j'ai décidé de faire des petits croque-monsieur revisités. Je commence par mettre deux grosses poignées d'épinards dans une casserole et je les cuis quelques minutes. Si jamais vous n'aimez pas les épinards, vous pouvez simplement utiliser de la roquette à la place. Je prends ensuite des tranches de pain complet que j'ai trouvées chez Carrefour. Ceux-là sont aux céréales et sont vraiment très bons. Je place mes épinards cuits sur mes toasts et je rajoute quelques rondelles de chèvre frais. Je fais couler un peu de miel sur chacun de mes toasts. Puis je mets une tranche de jambon de Bayonne. Vous pouvez le remplacer par du jambon cru si vous préférez. Je referme ensuite les croque-monsieur. Dans une poêle assez large, je mets un filet d'huile d'olive, puis je fais dorer chaque côté de mes croque-monsieur pour qu'ils soient bien croustillants. Je les coupe en deux, puis je les place sur mon assiette. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de l'accompagner car c'est assez consistant. Pour le dessert, j'ai simplement pris du yaourt Alpro. Si vous ne connaissez pas, c'est un yaourt vegan à base de soja. J'aime trop son goût, surtout celui à la vanille. Je mets quelques cuillères dans un récipient, puis je rajoute mon topping, qui est tout simplement les fruits rouges que j'ai utilisés ce matin pour mon petit déjeuner. Pour la dernière recette de la journée, j'ai décidé de faire quelque chose qui puisse se manger devant une bonne série Netflix. J'avais trouvé cette recette sur TikTok et elle me donnait vraiment envie de la tester. Du coup, j'utilise une pâte à pizza prête à l'emploi, la mienne est de marque Herta et j'ai pris la pâte épaisse. Je commence par couper des petits carrés, puis je rajoute un peu de mozzarella sur chacun des morceaux. Bien évidemment, vous pouvez la compléter par ce que vous souhaitez. Moi, j'ai décidé de mettre une partie avec du blanc de poulet. Et la deuxième, j'ai pris mon jambon de Bayonne qui me restait de ma recette du midi. Je referme mes petits morceaux et j'en fais des petites boules. Sachez que vous pouvez couper des plus gros carrés si vous souhaitez les garnir plus généreusement. Je les place toutes une par une dans mon plat de cuisson en les collant bien entre chaque. Puis je prends un jaune d'œuf pour faire ma dorure. Je saupoudre avec des graines de sésame. Et je place mon plat au four pour 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Et voilà le résultat, vous pouvez les prendre directement dans le plat ou sinon les démouler et les mettre dans une assiette ou un plateau. C'est une très bonne idée recette puisqu'on s'est vraiment régalé et ça ne prend vraiment pas de temps à réaliser. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Way back.
last time.